Oh God.
Je dis ce matin, tu es libéré. Je dis ce matin, tu es libéré. Je dis ce matin, tu es libéré.
Dirige ce matin, je prie pour quelqu'un ce matin. Avancez, je prie pour vous. Suis-moi et je suis. Vous êtes là pour recevoir ce matin. Dieu te bénisse. Amen. Oui. Amen. Amen. Je me nomme Jessica.
Jessica et la naissance de Lucas à Sidonie. Amen. Jessica a un appel dans le ministère, même si elle ne le sait pas. Bon, tu le sais, tu le savais. Elle dit. Ah, ok. Gloire à Dieu. Amen. 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 Oui, il y a quelqu'un d'autre là. Embrasse-moi pas quand même pour Jessica. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis venue, ça fait au moins 15 jours depuis que j'ai reçu la part de ce soir-là, avec Alès, pendant que je marchais sur les visites. Elle m'a donné ça, je me suis dit que je vous bénis, c'est mon bon travail. Amen. Et du coup, ce matin, je me suis dit pourquoi pas trouver cet endroit pour venir adorer ce matin. Amen. Et c'est ma vie dont je ne connaissais pas, et j'étais à la science. Je ne vois pas l'adresse, mais je ne connais pas l'église. L'église, c'est juste là, je ne parle pas. Je suis avec vous ce matin, je suis contente. Amen. Je suis là avec ma famille. Amen. 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 Nous embrassons tous ceux qui sont là pour la première fois. Si vous n'avez pas une église pour adorer le Seigneur, c'est votre maison ici. Nous adorons le Seigneur. Comme vous pouvez le voir, c'est la maison de prière pour tous les peuples. Nous ne faisons exception de personne. Peu importe votre passé, peu importe vos projets, nous croyons que le plus grand projet que l'homme puisse avoir, c'est le projet que Dieu a pour lui. Alléluia. Alors, bienvenue, nous vous embrassons. Vraiment, soyez les bienvenus. Et sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous. Amen. Amen. Donc nous sommes installés ici à Juvisy, ça fait pratiquement, ça fait 9 mois déjà que nous sommes là. C'est pour cela que vous voyez, nous sommes dans les débuts, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous permet d'aller quelque part. Alléluia. Alors nous vous embrassons tous et nous croyons que ça va aller une fois que nous puissions nous retrouver. Amen. Amen. Alors bien-aimés, je crois que le pasteur Serge, je ne sais pas s'il a quelque chose à dire, il est toujours au piano, il est amoureux du piano. Amen. Nombreux ici le connaissent déjà. Je crois que toute la maison le connaît déjà, sauf ceux qui sont en place première fois. Le pasteur sait. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pasteur, priez pour moi. Alléluia. Amen. Bien, on va prier pour lui. Amen. On va prier pour lui. Ce n'est pas que c'est un pasteur errant. Bon, on peut l'avoir parce qu'on vient le voir, il n'est pas pasteur errant. Il a tout un grand ministère. Amen. Il a un grand ministère avec des fils et des filles qui sont aussi des pasteurs déjà. C'est un ministère déjà établi. Donc il est là juste parce qu'il veut nous faire un coucou ce matin. Amen. Amen. Donc on va prier pour lui. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut prier pour l'homme de Dieu? Et tends ta main et du lieu où tu es, bénis-le. Amen. Bénis son ministère. Que l'Éternel augmente son onction. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des paraisons en France en ce moment parce que tout va mal. Alléluia. Amen. J'aime cette expression, j'aime cette phrase, tout va mal. Et il faut des hommes d'exception pour pouvoir sortir non seulement le peuple de cette prison. Alléluia. Et bien aimé, nous voulons donc que le pasteur Serge soit de cela. La main que l'Éternel est en train de bâtir en ce moment pour libérer ce continent et pour libérer la terre. Nous sommes dans la prière. Notre Dieu et notre Père, je désire que la prière soit en terre. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui connais son humilité, mon Père, tu le connais le plus loin. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, c'est toute puissance, Seigneur, parce qu'il dit, mon Seigneur, mon bon Dieu, parce qu'il attend de toi. Père, je prie ce matin, mon Dieu, mon roi, ta grâce, que tu as déposé dans ma vie, mon Père, soit en double portion comme ça. Père, que tu puissances, Seigneur, que tu le distingues en chantant, mon Dieu, mon roi de la fin. Mon Dieu, qu'il soit un homme mis à part, qu'il soit un homme en tout temps, parce que toi-même tu distingues. Père, dans ce temps de la fin, notre Dieu et notre Père, nous prions, mon Dieu, qu'il nous chante, mon Père du Puissant, semblant à cette vie, semblant, mon Dieu, à cette habit de Paul, mon Dieu se repose dans sa vie, à partir de ce moment, au nom puissant de Jésus, qu'il aille de gloire en gloire. Merci à l'homme que tu vas utiliser en cette saison, en cette génération, que ce soit ton fils le pasteur Serge, s'il y a un homme que tu vas utiliser, s'il y a un ministère que tu vas utiliser, où tu vas te manifester dans ce pays, Père, que ce soit ce ministère, qui est en puissant de Jésus, Père, et la grâce que tu as exposée dans ce ministère, au bon en cette matinée, la compagne, dans tout ce qu'il va faire, c'est en dehors de son fonction.
qu'il reçoive aussi l'onction de ce ministère. Quand besoin est mon Dieu de la grâce que tu as déposée dans sa vie, que la grâce que tu as déposée dans notre vie soit aussi dans sa vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, le peuple rassemblé en ce lieu, Père et moi, nous disons qu'il est béni. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu ne demanderas pas trois fois, tu auras reçu. Amen. Tu ne demanderas pas trois fois, tu auras reçu. Amen. Tout ce que tu demanderas à ton Père qui est dans les lieux célestes, que sera accordé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand tu te coucheras le soir pour demander, le matin à ton réveil, tu auras reçu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tous les peuples de la terre te craindront. Et selon que tu appelles le nom de l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le peuple dit Amen trois fois. Amen. 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 Alléluia. Dieu, merci au nom. Gloire à Dieu. Nous saluons aussi tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes au bon canal. Alléluia. Vous êtes au bon canal. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à la maison de Dieu. Nous avons débuté une série d'enseignements depuis mercredi, vendredi, et nous allons clôturer aujourd'hui. Alléluia. Je crois que l'Esprit de Dieu va encore plus se manifester parmi nous ce matin. Vous n'allez pas rentrer tel que vous êtes venus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, le thème que nous avons abordé depuis le début de la semaine, c'est « Notre Dieu n'est pas resté dans la Bible ». Notre Dieu n'est pas resté dans la Bible. Parce que nous croyons aujourd'hui que les hommes parlent d'un Dieu qu'ils n'ont pas expérimenté. Les hommes commencent à se lasser de l'histoire de Dieu. Les hommes commencent à se lasser de l'Église. Les gens commencent à se lasser des pasteurs. On commence à se lasser des prophètes. On a comme l'impression que c'est le même message que nous recevons tous les jours. On a comme l'impression qu'ils disent tous la même chose et rien ne change. Ils disent des grosses phrases, des gros mots, mais rien ne change. Mais il faut que le Dieu que ceux qui sont dans la Bible ont expérimenté soit capable de nous vivre les mêmes expériences. Ou alors, au-delà de ce qu'ils ont vécu. Parce que la plupart de ceux qui ont vécu l'expérience avec Dieu dans l'Ancien Testament n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Si nous avons le Saint-Esprit, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il a vivé des manifestations sporadiques de Dieu. Des manifestations sporadiques du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu venait, il apparaissait et puis disparaissait. Mais aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen. Dimanche dernier, nous avons dit, nous sommes différents d'Élie. Nous sommes différents de Moïse. Nous sommes différents de David. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, Dieu utilisait les éléments de la nature pour se manifester parmi les hommes. Alléluia. Il pouvait passer par le feu. Il pouvait passer par l'eau. Amen. Il pouvait passer par le vent. Il pouvait passer par la nuée. Alléluia. Et après la nuée, c'était le vide. Après le vent, c'était le vide. Il fallait qu'ils recommençassent, ou alors qu'ils recommencent les choses qu'ils avaient eu à faire par le passé. Tout simplement parce que Dieu n'était pas avec eux. Mais aujourd'hui, dis à quelqu'un, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ah, j'aime ces personnes. C'est pas égoïste. J'ai entendu ce que tu as dit, Dieu est avec moi. Ah oui, c'est aussi bien. C'est bien de parler ici. Parce que parfois, tu peux croire que tu es avec quelqu'un en esprit alors que la personne n'est pas avec toi. Donc, vous me dites, Dieu est avec moi. Chacun se connaît. On peut tous être, alléluia, dans une même église, mais ne pas adorer le même Dieu. Yeah. On peut tous être dans une même assemblée, écoutant la même parole, mais on n'est pas le même Dieu. Amen. Mais je crois que ce matin, nous sommes là pour adorer le même Dieu. Alléluia. Même pour être connectés, nous adorons tous le même Dieu ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Bien aimé. Nous sommes nés chacun avec quelque chose de particulier.
Nous sommes nés chacun avec un minimum de bénédiction. Dis à quelqu'un un minimum. Un minimum. Nous avons reçu une vie de Dieu. Nous avons reçu une vie de la part de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas tout donné dans cette vie. Parce qu'il voulait que cette vie se construise. Dis à quelqu'un, ma vie doit se construire. Ma vie doit se construire. Ce que je vais te dire ce matin est tellement profond que lorsque tu vas assimiler cela, tu vas te rendre compte que chaque jour tu peux apporter quelque chose de plus, un plus dans ta vie. Amen. Les hommes disent, la charte universelle des droits de l'homme dit que les hommes naissent libres, égaux, en droit et en devoir. Libres, égaux, en droit et en devoir. Égaux en devoir. Ça veut dire que ça, c'est la base pour tout homme. C'est le minimum pour tout homme. Chacun doit naître avec quelque chose. Amen. Amen. Même s'il y a à construire, même s'il y a à ajouter, il faut déjà que tu aies quelque chose. Yes. Mais nous avons constaté, ou alors toi et moi nous constatons, que malgré le fait que nous naissions avec quelque chose, il y a des personnes qui se battent pour avoir fait des sacrifices, pour avoir des choses, des choses les plus minimales encore. Il y a des gens qui doivent faire des sacrifices pour tout. Il y a des gens qui doivent faire des sacrifices pour tout. Pour dormir, il faut qu'ils fassent un sacrifice. Pour se lever, ils doivent faire un sacrifice. Pour manger, il faut faire un sacrifice. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Il y a des besoins fondamentaux. Il y a des choses que chacun doit avoir à la base. Mais quand tu commences à chercher ce que Dieu a donné, à la base, à tout chacun, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, aimé, nous naissons nus physiquement, mais spirituellement, nous sommes habillés. Amen. Alléluia. Amen. Nous naissons nus physiquement, mais spirituellement, nous sommes habillés. Amen. Mais il y a quelque chose qui se passe à notre naissance. Il y a quelque chose qui se passe quand on commence au Seigneur, ou alors quand on commence à faire nos premiers pas. Alléluia. Amen. Bien aimé. Des personnes malveillantes viennent nous déshabiller spirituellement. On vient nous déshabiller spirituellement. On vient nous enlever cet habillement que Dieu nous a donné. On vient nous enlever ce vêtement, ce costume dont Dieu nous a couvert. Pour nous donner quoi? Leur vêtement. Pour nous donner leur couverture. Alléluia. Et Dieu le dit. Au lieu d'un vêtement de deuil, je vais te revêtir d'un vêtement de gloire. Amen. Au lieu d'un vêtement de deuil, tu seras recouvert d'un vêtement de gloire. Amen. C'est parce que Dieu sait qu'il y a des personnes qu'on a recouvert d'un vêtement de deuil. Yes. Tu n'es jamais heureuse. Mm. Même quand ton voisin fête, on t'invite à la fête, tu es toujours triste. Mm. On t'invite pour danser, tu n'as qu'à plaisir. On t'invite pour boire, tu là, tu tapes les. Ça veut dire qu'en fait, il y a un problème. Il y a des gens, même si tu leur donnes à manger, à boire, au lieu d'être heureux, n'arrivent pas à être heureux. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'en fait, on lui a enlevé son vêtement de joie. Je crois que il faut que nos yeux s'ouvrent et qu'on comprenne le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Nous ne vivons pas dans un monde de bébés, de bisounours. Non. Alors, bien que nous naissons avec une vie qui n'a pas tout, Dieu a prévu une chose, c'est que, en fait, tout ce manquement sera comblé dans sa présence. C'est en allant vers Dieu que nous avons le coup, comblons ce manque. Amen. Mais ce manque ne peut pas être comblé par la machine. Ce manque ne peut être comblé par le sexe. Ce manque ne peut être comblé par la drogue. Beaucoup de personnes qui ont pris de la drogue, ils vont te dire, malgré le fait qu'ils prenaient de la drogue, il manquait quand même quelque chose. C'est parce que Dieu savait que tu allais assumer ce besoin dans sa présence. C'est en Jésus seul, c'est en Jésus-Christ seul, bien-aimé,
Christ revient. Mais c'est quand le Christ reviendra, alléluia, que l'homme sera entièrement parfait à son âge et à sa ressemblance. Nous tendons à la perfection. Mais le monde aujourd'hui, c'est pour cela que vendredi, on a parlé d'un thème qui paraissait bizarre pour certaines personnes. Le transhumanisme. Le transhumanisme nous fait comprendre que l'homme, on peut accroître les capacités de l'homme par la machine. On peut accroître les capacités de l'homme par la science ou par la technologie. Alléluia. Non, les capacités de l'homme ne peuvent s'accroître que par le contact avec Jésus-Christ. Ils nous font croire que le téléphone peut remplacer ton mari. Ils nous font croire que la poupée peut remplacer ta femme. Impossible, c'est du satanisme. Ils nous font croire que l'homme peut se sauver par ses actions. L'homme peut être sauvé par ce qu'il fait. Non, c'est de la gnose. La gnose explique que l'homme n'a besoin que de lui-même pour être sauvé. Non, l'homme n'a pas besoin de lui-même. Selon Actes chapitre 4, verset 12, la Bible déclare qu'il n'y a aucun homme. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Actes chapitre 4, verset 12. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Mais on va dans les profondeurs ce matin. On va parler des mystères, des choses qui vous entourent. Les choses qui vous entourent, mais qu'on a toujours négligé. N'ayez pas peur de ce que vous allez entendre parce que c'est véritablement votre monde. Alléluia. Amen. Mm-hmm. On va se lever pour écouter la parole. Oui. Levons-nous, je vous en prie. Obéissons à la parole. C'est la parole de Dieu que nous donnerons. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le lecteur. Acte chapitre 4, oui. Qu'il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Car il n'y a sur la terre aucun autre nom. Asseyons-nous. Il n'y a sur la terre, dans les cieux, aucun autre nom qu'on ne peut être sauvé, à part le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom. Et quand on dit nom ici, le plus souvent, ne regardez pas en termes d'humains. Ce n'est pas seulement les humains. Ce qui nous fait comprendre que la science est un nom, n'est-ce pas? La technologie est un nom. On ne peut être sauvé par la technologie. L'erreur, venez. J'ai envie de choquer certaines personnes ce matin. Je vais les interrompre. Je choquer. Quand bien là, tu feras la chirurgie esthétique pour changer la forme de ta fesse. Ça ne sera pas parfait. Vérité. Amen. Ah, j'aime quand je dis les choses, les enfants. On va réagir. Peu importe la forme de ton nez, comme il est gros le problème là, si tu le changes, il ne sera jamais parfait pour tout le monde. Peut-être pour toi il sera parfait, mais l'autre trouvera des imperfections. Et c'est pourquoi ceux qui sont accros à la chirurgie la font tous les jours, tous les mois, tous les. Non, j'ai changé mon nez est devenu comme pour Michael Jackson. Après, j'ai voulu qu'il soit comme pour Janet Jackson. Après, il est devenu comme pour Tanya Turner. Après, j'ai voulu qu'il soit comme Maria Carey. Après, j'ai voulu qu'il soit comme pour Brad Pitt. Jusque là, je n'arrive pas à le trouver. Ce nez-là, il faut que tu ne le trouveras jamais. La satisfaction, bébé. La satisfaction, la joie, on est comblé que dans le Seigneur. Amen. C'est dans le Seigneur que peu importe nos imperfections, elles sont parfaites à nos yeux. Amen. Il y a des gens ici, tant qu'ils n'ont pas un genre de téléphone, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas en paix. Alors que quelqu'un d'autre qui a un gros téléphone comme ça, il est heureux. Car le bonheur ne réside pas dans ce que nous n'avons pas, mais le bonheur réside dans ce que nous avons. Yes. Le bonheur ne réside pas dans ce que nous désirons, sinon tu seras toujours insatisfait. Yes. Toujours insatisfait. Non, c'est le Samsung maintenant que je veux, le 7 ou 3 que je veux. Je veux plus le 1 ou le 2, je veux le 3. Tu auras le 3 et puis ils vont sortir le 4. Tu te rends bête. Dès que tu as le 3, il sort le 4. Il sort le 4. Tu vas les suivre comme ça. Ça nous épargne. Tu n'as pas d'épargne, mais tu suis Samsung. Tu suis Samsung. Tu n'as pas d'épargne. Tu n'as pas une source de revenus, mais tu suis Samsung. L'esclavage.
Le néocolonialisme est technologique. Il n'est pas racial. Il n'a rien à voir avec les souches. Alléluia. De nos racines. Il n'a rien à voir avec le fait qu'on se déplace d'une nation à une autre. Mais bien aimé, on te déplace des portes dans lesquelles tu te trouves. Mais scientifiquement, tu commences à penser comme un aliéné. Alléluia. Nous ne sommes comblés, nos besoins ne sont comblés qu'en Christ. Nos besoins ne sont comblés qu'en Christ, en Christ. Bien-aimés, lorsque nous naissons donc, pourquoi qui nous a déshabillés? Qui nous a déshabillés? Le pasteur a dit nous naissons déshabillés physiquement, mais habillés spirituellement. Mais à un moment donné, il paraît que les gens nous ont déshabillés même spirituellement. Ça veut dire que le peu qu'on devait avoir, on ne l'a plus. Comment se fait-il que là où tout le monde a de l'eau à boire, toi tu peines à avoir de l'eau à boire? Là où tout le monde a à manger, tu peines à avoir à manger. Les besoins fondamentaux de l'homme, c'est avoir de l'eau, avoir à manger, dormir. Même dormir, tu es aussi dormir. Vous négociez pour dormir. Le monde négocie, les hommes négocient aujourd'hui pour dormir. Ta propre maison, tu construis ta propre maison, mais tu n'arrives pas à dormir dedans. Pasteur vient prier la maison, c'est hanté. Le pasteur est là quand tu vas construire. Pasteur vient prier, ça ne va pas. Ton lieu de service, ton entreprise que toi tu as mis sur pied, tu n'as pas de paix. Tes économies disparaissent, tu ne sais pas. Tu as comme l'impression qu'il y a un autre gestionnaire invisible qui gère les finances. Combien de personnes ici, avant la fin du mois, sont déjà au rouge? En rouge prévisionnel, ça veut dire que la banque a déjà prévu que tu seras rouge avant que ton salaire tombe. Quand le salaire tombe, ça tombe comme dans un trou. Puis, le rouge demeure. Et la Bible dit, le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Tu es salarié, mais tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui a logique? Il y a quelqu'un, on m'a déshabillé. On m'a déshabillé. C'est la réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle, j'ai pris la peine de faire toutes tes recherches et je me suis rendu compte qu'il y a un économiste qui a travaillé sur ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Et je crois que dans ces besoins, chacun va se retrouver. Et toi, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu devrais normalement avoir sans forcer. Sans penser, même s'il y a des choses que tu devrais chercher, c'est vrai, le sacrifice doit se faire, mais on ne fait pas le sacrifice pour tout le monde. Comment dormir pour le sacrifice? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a donc classé ses besoins en classe. Il parle premièrement des besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, il parle de respirer. Nous, respirer. Je te fais entendre pendant que je priais, je recevais qu'il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à respirer. Tout le monde doit respirer, c'est la moindre des choses. Ah, mais il fallait qu'on nous a privé de la respiration. Tout le monde doit mettre les masques maintenant. Pas sanitaire. Besoin physiologique, on nous le refuse. C'est notre droit. On nous le refuse aujourd'hui. Tu n'as pas de masque, tu n'entres pas. Tu n'as pas de passe sanitaire, tu n'entres pas. Tu ne peux pas, tu as de l'argent, mais tu ne peux pas entrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On va se poser les bonnes questions. Mais je crois que l'Église est vestie, nous voulons rester vraiment enfants. Ce qui fait que lorsqu'on aborde certains thèmes, les gens sont mal à l'aise, on a l'impression qu'ils ne sont pas intéressés par ça. Mais vous ne savez pas que la source de vos problèmes part de ces choses que vous ignorez. Bien aimé, le plus grand ennemi de l'homme s'appelle ignorance. Le plus grand ennemi de l'homme ne s'appelle pas démon. Le démon existe parce que tu ne sais pas qu'il existe. Une fois que tu sais qu'un démon existe automatiquement parce qu'il connaît, il sait que tu es au courant de sa présence, il ne peut pas se placer devant de toi. Yes. Le démon n'agit que dans les vies de ceux qui ne connaissent pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, parmi les besoins
physiologique qu'on a respiré, la respiration, nourriture, eau, sexe et tout ça, sommeil. Sommeil, tu as quelqu'un sommeil. Sommeil. Expression. Et quand même uriner, tu n'allais pas uriner. Alors, toi, tu n'allais pas. Oh, insuffisance cérébrale. Parfois, c'est l'insuffisance cérébrale, ce n'est pas vraiment scientifique, ce n'est pas médical. On ne peut pas expliquer ça à l'hôpital. On a juste dit, comme on a rien dit, insuffisance rénale. Mais qu'est-ce qui crée l'insuffisance rénale? Il y a quelqu'un qui est assis, on a déjà trafiqué des reins, on a donné ça à quelqu'un. Tu ne sais même pas que c'est lui qui fonctionne avec des reins. Hey, le monde spirituel dans lequel tu es. On va parler de tout ça ce matin. Hallelujah. Hallelujah. On a aussi les besoins de sécurité. C'est-à-dire la sécurité du corps, de l'emploi. Tu n'es pas sécurisé. Des ressources, ce sont les besoins. Des ressources, de la moralité, de la famille, de la santé et de la propriété. Tu n'arrives même pas à être propre même quand tu le veux. Je ne sais pas si quelqu'un a expérimenté ici. Tu as une personne que les démons viennent souvent salir ta maison. Je viens de ranger la maison. Si qui a encore livré ça ici, aucun enfant n'accepte que c'est lui qui l'a fait. Mais qui l'a fait? Ça, ce sont des choses que nous voyons avec moi. Vous riez l'histoire parce que vous reconnaissez. Non, non, c'est elle, c'est elle. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Aucun enfant n'acceptera que c'est lui. Il y a des gens qui touchent quelque chose dans ta maison, tout se casse. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, non? Mais ils ne doivent pas se rapprocher de vos appareils. Ils touchent à ton téléphone se casse. Ils prennent la télécommande, même les piles se cassent. Ils touchent, la télé commence à avoir flou. Ils ne doivent pas toucher. C'est pourquoi, bien, mais même à l'église, sachez-le. Tout ce qui est à l'église est sanctifié. Et toute personne qui veut toucher quelque chose qui apprend à l'église doit être une personne consacrée. Bébé, même si c'est toi qui nettoies les toilettes de l'église, tu vas être consacré. On doit te verser de l'air. On consacre quelqu'un qui va s'occuper des toilettes de l'église. Amen. On est dans une église, les micros commencent à déranger. Les micros commencent à déranger. Vous avez 100 micros, mais tous les micros dérangent. Les démons dansent dans vos micros. Les micros commencent à déranger. L'éclairage ne donne pas. Les lumières font ceci. Les caméras se cassent. Et ici, la bébé, si tu n'es pas loin pour toucher un micro, tu ne touches pas. Amen. Si tu n'es pas loin pour ranger la salle, tu ne ranges pas. Amen. Si tu n'es pas loin pour chanter, tu ne chantes pas. Ce n'est pas la belle voix qui chante. Écoutez-moi très bien. Tout le monde peut être chanteur, tout le monde peut être louangeur, mais tout le monde n'est pas adorateur. Amen. Dieu ne cherche pas les louangeurs, mais Dieu cherche les adorateurs. La Bible déclare que Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et pourtant, il dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. La louange et l'adoration, ça veut dire que toute la création peut louer Dieu. Amen. Les arbres louent Dieu. Le psaume 150 que le pasteur a lu tout à l'heure, psaume 150, que tout ce qui respire loue Dieu. Mais pourquoi la Bible ne dit pas que tout ce qui adore, tout ce qui respire adore Dieu? Parce que les adorateurs sont peu, mais il y a beaucoup de mangeurs. Tout le monde peut, tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Je sais que tu débordes de zèle. Amen. Tu dois ranger la salle. C'est bon, le pasteur dit quand tu arrives, sois activé. Non, c'est pas ça. Il faut que tu reçoives l'onction pour le faire. Il y a beaucoup de vies qui sont influencées par les démons. Et ces démons viennent tout simplement pour casser tout ce qui se joue à l'église. Quand on achète quelque chose à l'église, on ne va pas revenir dessus. On achète un micro, 2 mois après, il faut encore acheter un autre micro. On achète une caméra, 5000 euros, et après 2 mois, il faut encore changer la caméra. L'esprit de sorcellerie qui vont vivre au nom puissant. Chez vous, tout le monde ne va pas tout toucher. Je crois qu'on a un problème, c'est que, bien aimé, nous ne comprenons pas exactement le fait qu'on appartient à un royaume. Nous n'appartenons pas à une république. Dans la république, là-bas, règne peut-être la démocratie. Mais nous appartenons à un royaume. À un royaume. Et dans le royaume, c'est l'ordre. Dis à quelqu'un, dans le royaume, c'est l'ordre. Dans le royaume, c'est l'ordre. Nous sommes d'un royaume. Nous venons appartenons à un royaume. Et c'est l'ordre qui règne là-bas.
Amen. Ça veut dire que les choses ne sont pas, non, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne parle pas comme on veut. On parle comme le roi veut. Amen. J'ai tellement de choses à vous dire ce matin qu'il ne faut pas prendre le Saint-Esprit. Parce que j'ai compris une chose, que il y a les brebis de ta vie, il y a les brebis de leur soeur, il y a les brebis de leur très saint. On ne peut pas tous adorer de la même façon. On ne peut pas tous le sentir de la même façon. Ceux qui l'adorent dans la cour extérieure ne peuvent pas adorer ceux qui sont dans les parvis. Alléluia. C'est ça le véritable problème que nous avons au sein de l'Église. Et c'est ça parce qu'on ne comprend pas que le monde spirituel existe. Bien-aimés, tel que vous avez à dire, machin, truc, leader, écoutez-moi, je veux dire, tel que vous avez leader, à dire, suivez, Carrefour, Auchan, Leclerc, bien-aimés, sachez les choses. Citez tout ce que vous voulez. Ça, c'est dans le monde physique. Sachez que dans le monde spirituel, il existe aussi des magasins comme vous avez dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Bien aimé. Si vous pouvez acheter et vendre dans le monde physique, dans le monde spirituel aussi, on achète et on vend. Parlez pour ça, parce que vas-y, qu'est-ce qu'il m'a? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Amen. Je vais ouvrir une Bible dans vos yeux. Donc, prenons nous d'abord le Psaume 30, 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16, allons-y rapidement. Je dis la parole de Dieu. Oui. Psaume 139, verset 16. Mm-hmm. Quand je n'étais qu'une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre. Et sur ton livre. Était inscrit. Était inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés. Était inscrit les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire quoi, c'est en nous? Ça veut dire que selon la pensée de Dieu, selon cette parole que nous venons de lire, Dieu sait exactement combien d'années chacun de nous va passer sur terre. Dieu sait exactement combien d'années chacun de nous doit passer sur terre. Si vous voyez quelqu'un qui meurt à 2 ans, si c'était la volonté de Dieu que la personne fasse 2 ans, elle a fait 2 ans. Mais maintenant, il y a un autre côté, c'est qu'il y a des personnes aussi qui peuvent abréger ta vie pour exploiter ton nombre d'années sur terre. C'est chaud. Il y a des gens qui peuvent te tuer. Mais qu'est-ce que je veux dire concrètement? C'est que il est possible que Dieu ait arrêté ton nombre d'années sur terre à 50 ans. Prenons un exemple. D'accord? À 50 ans. Mais les forces maléfiques, les esprits maléfiques vont te tuer à 20 ans. Amen. Amen. Vont te tuer à 20 ans. Mais selon Dieu, tu vas vivre pendant 50 ans. Ça veut dire que selon Dieu, il ne peut pas encore te prendre à 20 ans, même si tu es mort. Amen. Il ne peut pas encore te prendre à 20 ans, même si tu es mort. Les hommes vont te déclarer mort. Mais dans le monde spirituel, tu vis, tu existes. Ça veut dire que si tu laisses 30 ans à vivre, ces 30 ans-là sont exploitables par le monde spirituel. Ça veut dire qu'ils ne peuvent prêter ces 30 ans à quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent donner ces 30 ans à quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi j'ai comme l'impression que un artiste, parce que c'est beaucoup plus dans le monde cinématographique, artiste et tout ça. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de trafic des esprits. Amen. Amen. Le trafic des esprits. C'est-à-dire que quelqu'un commence à travailler avec l'esprit de telle personne qui est morte. On parle d'esprit de mort. L'esprit de mort. L'esprit de mort, ce n'est pas l'esprit qui vient te tuer. C'est l'esprit d'un mort. En fait, ça s'appelle l'esprit d'un mort. Prenons ça, l'esprit d'un mort. Amen. C'est-à-dire que cette personne a été enterrée, mais en fait, spirituellement, elle existe toujours. Amen. Ça veut dire que ces 30 ans sont exploitables. Et ces 30 ans-là, parce que Dieu nous donne à chacun, nous ne pouvons pas ce que j'ai dit au départ. Quand nous naissons avec des capacités et des aptitudes. Ces aptitudes sont liées à ton esprit. Parce que tu es un esprit, tu n'es pas encore d'abord.
Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Amen. Et Dieu nous donne des capacités. Amen. Ces capacités font en sorte que le jour où tu meurs, ces capacités sont toujours là. Amen. Ça veut dire que s'il récupère ton esprit, il récupère ton esprit avec les capacités qui l'accompagnaient. Et ils sont capables de nous servir à quelqu'un d'autre. Je vous pose une simple question. Comment se fait-il que vous entendez parler d'un charlatan pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans? Après cinq ans, il disparaît, vous ne parlez plus de lui, on ne parle plus de lui. Il n'a plus, il ne voit plus, il n'entend plus. Son cabinet a presque fermé. Mais il est toujours vivant, il n'est pas mort. On n'a pas encore dit qu'il est toujours vivant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, ce qu'il a reçu, l'esprit qu'il a reçu, était pour un temps. D'accord? S'il a reçu l'esprit, une espérance de vie qui était de 10 ans. Pendant ces 10 ans, il va opérer dans la même dimension que celui qui est mort. Il opère dans la même dimension que lui. Alors, mais c'est pendant 10 ans. Ça veut dire qu'après 10 ans, il ne peut plus. Pourquoi? Parce que Dieu a récupéré normalement la personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Vous comprenez un peu? La personne devait mourir à 50 ans. Amen. Elle est morte à 20 ans. Maintenant, elle a 30 ans. Dieu attend l'âme de la personne. Dieu attend l'âme de la personne à 50 ans. Quand elle aura atteint 50 ans. C'est-à-dire, pendant ces 30 ans-là, moi, je donne ça au pas. Je donne ça, je donne cela. Je donne ces 30 ans. Tu commences à opérer avec. C'est-à-dire, ce que tu as d'abord toi-même en tant qu'esprit devant Dieu. Maintenant, tu reçois aussi ce que moi j'avais. Ce que l'autre avait. Ces 30 ans. Alléluia. C'est là où naissent en réalité les êtres aux capacités augmentées. Amen. Ils commencent à manifester ce qu'un homme normal ne manifeste pas. Mais ce qui est sûr, après 30 ans, ce qu'il a reçu va s'éteindre. Parce que ce n'est plus possible qu'il le perde. Il me parle à 31 ans. Amen. Parce qu'à 30 ans, automatiquement, la personne qui devait mourir selon le plan de Dieu meurt. Et même son esprit retourne à Dieu. L'esprit n'appartient pas à l'homme. L'esprit retourne à Dieu. Mais c'est l'homme qui sera jugé. Mais là, il y a un autre mystère qui se passe. Oh, on va apprendre des choses spirituelles aujourd'hui. Ce n'est pas la sorcellerie qui nous enseigne. Et ce n'est pas du spiritisme. Amen. Ce qui se passe par la suite, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont été atteintes par ces choses-là, qui ont été détruites ainsi. Leurs vies ont été détruites. Amen. Et il y a des esprits qui errent. Esprits qui errent. Allez. Elles, si l'esprit ne sont pas encore condamnés, et parfois ne sont encore récupérés par personne, mais l'esprit est, l'esprit est là. L'esprit n'a pas encore été rappelé par Dieu. Amen. Cet esprit est. Et cet esprit sait exactement qu'il a retiré du corps dans lequel il était. Aïe. Et c'est pourquoi tout esprit qui veut se révéler à vous n'est pas forcément un mauvais esprit. Amen. Dans le monde physique, on a des bonnes personnes, on a aussi des mauvaises personnes. Dans le monde spirituel, on a des bons esprits, on a aussi des mauvais esprits. Ça veut dire que un esprit qui est, qui a été retiré d'un corps et qui n'est pas encore entré dans, qui n'est pas utilisé, amen, peut s'attacher à toi. Juste, il peut t'aimer comme ça. Il s'attache à toi et il veut te communiquer un certain nombre de choses. Mais malheureusement, il ne peut pas se connecter à toi parce que toi, tu es charnel. On est tellement charnel qu'on ne comprend pas parfois le langage de l'esprit. On ne comprend pas quand l'esprit veut se connecter à toi. Parce que voilà ce qui se passe. Vous voyez, la difficulté que vous avez à pouvoir recevoir les messages de l'esprit, c'est la même chose que dans le monde spirituel. Ils ont là. Ils ont les difficultés à pouvoir se connecter au monde de la matière. Amen. Ça veut dire que même quand tu veux te dire des choses, tu dis, fais attention avec quelle personne que tu es là. C'est la personne là qui va tuer. Mais toi, tu ne comprends pas parce qu'en fait, tu es tellement charnel. Tu es tellement charnel. Lui, l'esprit, il te parle. Et l'esprit, cet esprit-là, il est capable que chez toi, il commence à faire des dégâts. Il ne fait des dégâts parce qu'il veut te faire mal. Non, mais il veut te passer un message. Mais comme il n'arrive pas à te parler, toi, tu ne vois pas. Mais il est possible qu'il commence à renverser même les bouteilles chez toi. Tu vois une bouteille qui tombe, toi tu fuis de chez toi, alors que c'est quelqu'un qui veut venir t'aider. Amen. Alléluia.
dit attention, ce qui se passe chez toi, vous savez, parfois nous rions avec des personnes qui ne sont pas nos amis. Seule la personne qui était victime d'un sorcier peut dire que cela c'est un sorcier parce que hier il m'a assuré. Mais tu t'amuses pas avec lui. Parfois tu ris avec quelqu'un qui a tué ton père. Tu ris avec quelqu'un qui a tué ta mère. Tu ris avec quelqu'un qui a tué ta soeur. Mais tu ne sais pas. Seule ta soeur qui est morte parce qu'elle a été tuée, mais qui est morte. Mais quand elle est morte, elle n'est pas morte dans son temps. Ça veut dire qu'elle a encore le temps pour guérir. Et cette soeur va entrer en contact avec toi. C'est ça le monde des esprits, en fait. Et c'est le monde dans lequel tu vas. Donc maintenant, il y a ceux qui capturent donc ces esprits qui errent. Ils les capturent. Amen. Et ils sont capables de vendre donc maintenant leur capacité à quelqu'un d'autre. Chaque pays a un marché d'esprit. Et bien, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Alléluia. Le monde spirituel est plus actif que le monde physique. Ils sont plus actifs. C'est pourquoi tout esprit n'est pas chassé. Tout esprit n'est pas chassé. Mais il faut comprendre exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est quoi? Et vous savez, le plus souvent, le moyen par lequel ils se connectent à lui nous parle facilement. Pendant le sommeil. Vous savez pourquoi pendant le sommeil? Pendant le sommeil, parce que c'est le moment pendant lequel le corps et l'esprit se séparent. Le corps est abandonné et l'esprit maintenant est éveillé. L'esprit ne dort pas. L'esprit ne dort jamais. Ce qui fait que, puisque en ce moment, quand il veut se connecter à toi en journée, ton esprit, il y a des esprits qui sont tellement, je ne veux pas dire, étouffés par la chair. Il y a des personnes qui, quand on se donne un message spirituel, sont tellement charnels qu'ils ne voient que la chair, ils parlent quelque chose dans la chair. Ils ne comprennent pas le message dans l'esprit. C'est-à-dire qu'en journée, ton corps empêche à ce que ton esprit reçoive les messages spirituels. Amen. Donc, ce qu'il peut faire, il peut attendre la nuit. Parce qu'en ce moment-là, le corps est presque mort. Et c'est l'esprit qui est éveillé. Et puisque lui aussi l'esprit, il est éveillé, c'est en ce moment qu'il peut te communiquer quelque chose. Et là encore, beaucoup de personnes vont négliger leur rêve. J'ai vu ceci, ça s'est accompli. C'est comme si on est venu me dire ceci, c'est venu. Et ça s'est passé en journée. Oui, c'est parce qu'on est venu te dire, mais toi, tu n'as pas prêté attention. Bien aimé, il faut savoir que les gens qui vous déshabillent spirituellement, ils vous volent ce qu'il y a à vous. Ils vous volent ce qu'il y a à vous. Notre Dieu ne doit pas rester dans la Bible. Il faut qu'on arrête de prier un Dieu comme c'était un personnage de la Bible, comme c'était Zembla ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quels sont les noms qui sont dans les bandes dessinées. Ce n'est pas l'histoire du roi Lion, non. Ce n'est pas Kirikou. Dieu n'est pas Kirikou. Dieu n'est pas abstrait. Dieu est une réalité. Amen. Dieu est une réalité. Tiens, quelqu'un, Dieu est une réalité. Dieu est une réalité. Tiens, encore quelqu'un, Dieu est une réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien que nous sommes impactés par ce monde. Ce monde conditionne tout ce que nous faisons. Alors, quand on parlait du transhumanisme, c'est qu'en fait, les personnes qui ont des capacités augmentées commencent à faire ce que vous devez vraiment faire. Vous savez que vous ne perdez pas le travail parce que vous êtes médiocre. Vous ne perdez pas le travail ou le mariage parce que tu es une femme qui est un mauvais électif. Non, n'est pas vilain. Mais en fait, c'est que parfois, il y a des gens qui prennent vos maris, des gens qui prennent vos femmes. Vous allez où? Là, ils sont bien. Pour te laisser seul. C'est pour te laisser seul. Dans l'histoire de. Dans l'histoire de David, la Bible déclare dans le 1 Samuel chapitre 30 que le roi David, qui avait été établi roi en Israël, s'était déplacé. Et quand il s'est déplacé, il a laissé son peuple, lui qui était établi comme roi sur cette nation. Il laisse son peuple et il s'en va. Il va, parce que David était quelqu'un qui aimait beaucoup se déplacer. Il aimait visiter ses amis, et puis c'était un homme à famille. Les hommes à famille sont dans les stars. Excusez-moi si je dévoile votre secret, ils sont des stats. Ils ont dit j'aime les voyages. Ils n'aiment pas les voyages pour rien. Ah, c'est le temps pour lui raconter les beaux produits, ça raconter les machins. Ils aiment les voyages, ils aiment se
des façons tout le temps de sortir. Donc David aimait tout le temps sortir. Et ce jour, David est sorti. Et quand il sort, la Bible déclare qu'il a laissé sa femme, ses enfants et tout le peuple que Dieu lui avait confié. Et quand il revient, il vient trouver que les Amalécites, c'est-à-dire que l'ennemi de son peuple, avait fait éruption à Tigla qui était sa ville. Et quand il arrive à Tigla, ils ont enlevé tout ce qui était à David. Ils ont enlevé les femmes, ils ont enlevé les enfants. Ils n'ont pas seulement enlevé les humains, ils ont aussi enlevé les biens matériels. Rien. Et ils sont partis. Quand David arrive, David vient trouver que son peuple est en train de pleurer. Tout le monde pleure. Non seulement ils ont volé, mais ils ont aussi brûlé. Il y a des gens qui volent dans vos vies, mais non seulement ils volent, ils partent avec, ils brûlent aussi pour que rien ne reste même. Et ils vous laissent avec la cendre. Et ils sont partis. Et David trouve son peuple en train de pleurer. Et son peuple dit, nous on va te lapider. On va te tuer. Pourquoi on va te tuer? Parce qu'en fait, c'est toi qui étais établi comme roi pour nous protéger. Si tu étais ici, ces choses n'allaient pas se passer. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans vos vies parce que vous étiez absent spirituellement. Il y a des gens qui sont présents physiquement, mais absents spirituellement. Or, l'esprit a le dessus sur la matière. David est parti. Quand David arrive, quand son peuple est en train de pleurer, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une question que tu vas poser au roi. Toi-même, tu regardes tout le roi. Tu vois la cendre. Les femmes sont amenées et les enfants sont emportés. Il ne sait pas quoi faire. David déclare que David aussi a commencé à pleurer. Vous savez, lorsque le peuple pleure, le président pleure, le roi pleure, c'est un peuple qui pleure deux fois. Parce que si le peuple pleure et il voit comment le roi est galvanisé, donc ça veut dire qu'il y a quand même espoir. C'est comme si tu viens à l'église, tu as des problèmes, et tu as toujours que le pasteur aussi même pleure ses problèmes. Je fais quoi ici? C'est que j'ai à l'église, ça. Qu'est-ce que moi je veux? Je veux rien ici. Amen. Mais si tu entres dans une église, tu sais que tu as des problèmes, mais tu trouves le pasteur, il est toujours, il est là, il est excité, il parle avec assurance. Dis-moi ici, là, ma parole aussi va sortir. Ma parole aussi va sortir ici. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. David se met donc à pleurer. Mais la Bible déclare quelque chose. La Bible déclare que David reprit courage. Il a repris courage. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, pleurer n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que tu as tout perdu dans ta vie. Tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants, tu as perdu des amis, tu as perdu même tes relations. Les gens t'ont quitté tout simplement parce que ils ne t'aiment pas. Il y a des gens qui vous abandonnent pour rien, pour vos choix. Parce que l'économie n'est pas à gauche, je dis que je ne suis pas à gauche, je vois, tu n'es plus avec moi. Et là, les gens t'abandonnent, les gens vous abandonnent comme ça. Les gens vous abandonnent sans savoir les raisons. On n'a pas de raisons. Ils ne nous expliquent même pas pourquoi ils nous abandonnent. Mais sachez une chose. Alléluia. Alléluia. Une place qui est vide sera occupée. Amen. Toute place qui est vide sera occupée. Amen. Vous n'allez pas rester éternellement vide. Cette place ne restera pas éternellement vide dans votre vie. Tout ce qu'on vous a volé vous sera remplacé. Amen. Tout ce que l'homme a volé dans vos vies sera remplacé par quelque chose de meilleur. Dieu n'est pas celui qui rapistole. Dieu ne rapistole pas. Dieu ne fait pas des copies, mais Dieu est un créateur. On peut te voler quelque chose qui a une valeur de 100 euros. Dieu va te donner quelque chose qui a une valeur de 10 000 euros. Dieu ne donne pas les choses juste pour vous consoler, mais il donne les choses pour choquer vos ennemis. Amen. Amen. La Bible déclare que lorsque David reprit courage, et il fait quoi? Il consulta l'Éternel. Quand il consulte l'Éternel, avant de consulter l'Éternel, il dit, Abiatar, apporte-moi mon effort. Abiatar est un sacrificateur comme un pasteur, comme un prêtre que je suis. Alléluia. David était roi, mais David n'était pas sacrificateur. David était roi, mais il avait quand même des pasteurs, un pasteur qui était établi sur lui. Amen. Amen. Il pouvait consulter le pasteur. Alors il appelle Abiatar, il dit à Abiatar, apporte-moi mon effort. L'effort, c'était les attributs de David.
Ce qui fait en sorte que lorsqu'il arrive, on sait que le roi est là. Amen. Amen. Il a donc apporté son effort. Et David a consulté encore l'Éternel. Il dit à l'Éternel, est-ce que je vais poursuivre, est-ce que tu m'autorises à poursuivre ces gens qui ont tout volé chez moi? David déclare que l'Éternel lui a dit, poursuis. Et Dieu lui dit, je ne veux pas seulement que tu poursuives, mais je veux que tu les rattrapes. Je ne veux pas seulement que tu les rattrapes, mais tu vas récupérer tous ceux qui t'ont volé. Amen. Tu ne vas pas seulement rattraper. Parce que vous savez, bébé, on peut poursuivre l'ennemi de sa vie. On peut poursuivre ses adversaires, mais tout n'est pas de poursuivre. Ne cherchez jamais à poursuivre. Bébé, cherchez à poursuivre, à atteindre et à récupérer ce qu'il y a. Vous allez poursuivre, vous allez rattraper, vous allez récupérer et vous allez rentrer avec la victoire. Et les enfants de Satan nous font pleurer tous les jours. C'est pourquoi, c'est quoi? Pourquoi vous n'avez pas la paix? Je déclare qu'à partir de ce soir, celui qui ne dormait pas, tu commences à dormir d'un sommeil doux et profond. Si tu cherchais le travail, je prie que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre pour toi maintenant et que tu trouves un emploi qui sera stable. Il y a emploi et emploi. Tu ne seras pas laveur de voiture. Non. Il y a emploi et emploi. Il y a mariage et mariage. Il dit à quelqu'un, il y a mariage et mariage. Mariage et mariage. Amen. Il faut comprendre une chose. La Bible déclare que les bons fruits sont pour les fils d'Israël. Les bons fruits sont pour nous. Il dit que tu te rassasieras de mes succulents. Des mets succulents. Tu vas manger les meilleures productions du pays. Amen. C'est quoi cette histoire quand les gens ont envie de manger, ils vont manger les restes. Je n'achète plus jamais une voiture d'occasion. Jamais. Amen. Parfois, tout le monde a utilisé, on vient déposer chez toi. Les problèmes. Les problèmes. J'avais commencé avec cette mentalité depuis la fin. J'avais refusé de porter la fibrerie. J'ai dit, qui a porté ça? Je porte la fibrerie. Mieux, je porte un truc qui n'a pas de valeur, mais que de porter la fibrerie. Je refuse. Amen. Amen. Tout le monde a utilisé, on vient déposer chez toi. Tout le monde, on ne sait même pas combien de personnes sont passées par là. Nous, vous savez, je vous ai dit que même quand on demande un emploi à Dieu, ne demandez pas un emploi qui va vous éloigner de Dieu. Yes. Parce que les gens sont devenus esclaves du travail aujourd'hui. Et même pour venir adorer Dieu, vous ne pouvez plus venir adorer Dieu parce que je dois aller au travail. Parce que je suis au travail, non, je suis au travail. Tu es esclave du travail. Or, ce que tu ignores, c'est que tout devant Dieu se négocie. Amen. Seigneur, je veux t'adorer. Yes. Je veux te servir. Mais j'ai aussi besoin de prendre soin de ma famille. Je veux un travail qui ne m'éloignera pas de toi. Amen. Et qui me permettra aussi d'être à l'heure de chaque fin du monde. Quand tu as le dimanche, viens travailler. Oui, j'ai un travail. Tu appelles. On appelait plus pour des deux travailleurs. Tu ne décroches pas. Yes. C'est de la sorcellerie. Et je n'encourage pas la sorcellerie. Parce que notre Dieu est capable de vous donner un travail. Vous pouvez nous travailler deux jours par semaine. Et vous avez un bon salaire. La pluie de gloire. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Yes. Si vous voulez être tenu comme des queues, vous serez tenu comme des queues. La Bible déclare que nous serons la tête et non la queue. Yes. La tête et non la queue. En haut et non en bas. Nous serons premiers et non derniers. On ne mange pas les restes. On ne mange pas les restes, ma vie. On ne mange pas quand Dieu va se rassasier. Nous, on se rassasie sur les restes qui mangent. Somme 127 dit quoi? Somme 127. Allons-y. Le somme 127.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Oui. Si l'Éternel ne garde la maison, oui. Celui qui la garde veille en vain. En vain vous le faites. Écoutez ça. Écoutez. Attends. C'est là. C'est là. En vain, vous levez vous matin, oui. Vous couchez, vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Qui en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et aussi, était à ta place, je pensais à pleurer. Vous mangez le pain de la douleur. Les gens qui se lèvent ici à 4 heures, mon fils, 4 heures. 4 heures, et il se couche à 2 heures. Il a 2 heures de sommeil par jour. Il appelle ça travail. Mais tu es esclave. Même le temps de jus de cet argent que tu travailles, tu n'as pas ce temps. La dernière fois que tu allais en vacances, c'est quand? Les vacances pour toi, c'est un mot qu'on lit dans les livres. Tu n'es jamais allé en vacances. Le mondain lui va en vacances. Celui qui n'a pas Christ va en vacances. Toi, tu n'arrives pas à aller en vacances. Parce que les vacances, tu n'as même pas encore le temps. Mais tu es au dodo. C'est fini ça. Métro, boulot, dodo. Est-ce que le pasteur te dit que ne travaille pas? Non. Le pasteur dit travailler, je vais travailler avec le Seigneur. Amen. Dites à Dieu, voilà ce que je veux qu'on travaille. Mon travail s'arrête, Seigneur, c'est vendredi. Et c'est vendredi à 16h que mon travail doit s'arrêter. Oh yes. Parce que Seigneur, je vais être à l'église à 18h pour t'adorer. Yes. J'ai besoin de ça, Seigneur. Amen. Et tu sais que je dois te louer. Tu sais que j'ai des personnes que je dois aider dans la nation. Tu sais que je dois contribuer à bâtir mon pays. Amen. Je dois être un agent de changement dans ma nation. Amen. La nation française doit savoir que j'apporte dans ce pays. Alléluia. Amen. Si la nation française te considère comme un parasite, tu as échoué. Chaque fois qu'on parle de toi, c'est moi. Mais les gens là, ils veulent l'argent, il faut les aider. On parle toujours de toi en termes d'aide. Toi, tu veux aider la nation quand? Il dit, en bas, vous levez-vous tôt le matin. Vous travaillez toute la journée. Asseyez-vous. Vous travaillez toute la journée. Et quand le soir, vous rentrez pour manger, vous n'avez même pas la force pour manger. Vous mangez le pain de la douleur. Et la Bible déclare qu'il en donne de même à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire que pendant quelqu'un dort, le salaire que toi tu as, il a le même salaire. Lui dort, toi tu ne dors pas. Et même plus. J'ai vu les gens qui se vantent d'avoir 3000 euros par mois. Pendant que quelqu'un fait le même travail, il a moins d'heures, il a 6000 euros par mois. On peut tous jouer dans une équipe, on a les contrats différents. Et ça, messieurs au Paris Saint-Germain. Messieurs au Paris Saint-Germain, non? Oui. Je t'avais vu notre compatriote aussi là-bas. Tu vois ce qu'il a fui de rentrer en attaque. On avait tout pour moi là-bas aussi, non? Il avait le même salaire. Est-ce Ronaldo qui est rentré à Manchester a le même salaire que l'autre? Tout dépend de comment est-ce que tu négocies ton contrat et ta valeur. Tant que vous ne vous connaissez pas, les gens vous donnent la valeur que vous avez. Vous vous mettez à l'œuvre. Notre Dieu n'est pas dans la vie. Ça, c'est quand je fais les affaires, le Dieu n'est pas dans la Bible. Mais parce que la Bible, c'est de Dieu, oui. La Bible parle de Dieu, mais la Bible n'est pas Dieu. La Bible n'est pas Dieu. La Bible parle de Dieu, mais la Bible n'est pas Dieu. Puisque la Bible, si la Bible était la parole de Dieu, comme je vous dis, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Parce que quand la Bible est la parole des hommes, et la parole de Satan même dans la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Les animaux parlent dans la Bible. Les esprits parlent dans la Bible. Les démons parlent dans la Bible, les possèdes parlent dans la Bible, les hommes parlent dans la Bible. Et même Paul, l'apôtre Paul dit, de temps en temps, c'est moi qui parle, c'est moi Paul qui le dit. Ça dit, ce n'est pas Dieu qui le dit. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui le dit, c'est maintenant c'est Dieu qui me donne une recommandation pour vous. Ça veut dire que la Bible est un recueil de témoignages de ceux qui ont expérimenté Dieu. Amen.
Amen. Si la Bible était la parole de Dieu, on n'aurait pas eu de temps de version. De temps de version. Parce que bientôt, nous serons en version ici. Chaque faculté a sa version de Bible. Chaque faculté de théologie a sa version. Amen. Alors, toute personne qui veut s'attacher, et c'est pourquoi les religieux dorment parfois la Bible sur l'oreiller. Comme si Dieu va nous protéger partout. C'est même sur ça que les démons se placent qui te frappent la tête. Mais réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. Dieu est vivant dans nos cœurs. Dis, Dieu est vivant dans mon cœur. Dieu est avec moi partout où je vais. Je suis le véhicule qui porte Dieu. Je suis le véhicule qui transporte Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, peuple de Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout, acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Nous devons actualiser, actualiser notre mémoire. Nous devons faire les mises à jour de notre christianisme. Le christianisme est un humanisme, un monde de vie, une façon de penser, une façon de voir. Ce n'est pas une religion. Amen. Nous sommes en relation avec Dieu, nous ne devons pas une religion avec Dieu. Amen. Vous êtes abondamment bénis ce matin. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche? Tu peux commencer à glorifier Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée ce matin. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu. Adore ton Dieu, dis merci à Dieu pour la parole. C'est parole qui est venue encore nous appeler. C'est parole qui est venue nous restaurer, qui est venue nous impacter, Seigneur. Comment ne plus t'adorer, éternel Dieu? Quand tu nous donnes tel message, éternel, ce message qui fait tomber les écailles de nos yeux et les bouchons de nos oreilles. Éternel Dieu, le Christ, bénis-toi ton nom, bénis-toi, Seigneur. Toutes tes paroles, papa, qui est venue, Seigneur, réveiller notre pensée. Seigneur qui est venu ce matin nous montrer combien Seigneur, de choses dans mon monde, que toute la gloire qui nous vient nous empêcher. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, merci pour cette parole qui est sortie. Je la scelle dans ma vie afin qu'elle s'accomplisse. Je la scelle dans ma vie. Je ne suis plus esclave à partir de ce jour. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus traîné par les forces que je ne maîtrise pas. Je crois que tu l'as passé ici pour sceller ce message avec une offrande, bien aimé, tu as besoin de passer. Mais toi qui n'as pas fait, bien aimé, tes places, toi, et viens sceller avec une offrande, tu poses sur l'autel afin que notre Dieu, bien aimé, se souvienne de toi et que ce message parle véritablement dans ta vie. Bien aimé, avancez avec votre offrande. Ta gloire, Seigneur. Mon Dieu, tu nous appelles, mon Dieu, qu'on voit à une vie renouvelée. Tu nous amènes à une vie restaurée.
tu veux restaurer toutes choses en nous. Je prie, mon Dieu, et mon roi, et ta puissance, que ce qui espérait en toi, Père, Abba,